Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, petite intervention sur un nid de frelons asiatiques. Voilà, un petit nid encore mal placé, un peu dangereux pour les gens. Le propriétaire a eu beaucoup de chance de ne pas se faire piquer. Je vais vous montrer où il est, le nid. On va poser la poudreuse. Vous voyez ? Au niveau de la voiture. Donc la petite tenue là, pour cacher la plaque. Et le nid, il est juste... Juste là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Juste là. Vous voyez ? Et la porte de la voiture, elle est juste là. Donc le propriétaire est sorti et aurait pu se faire piquer. Bon, il a garé la voiture, c'était le soir. Donc c'est vrai que les frelons, le soir, il y a moins, ils bougent moins. Ils sont dans leur nid, ils ne voient pas trop et donc du coup, ils sortent moins. Mais ça reste quand même encore un endroit bien dangereux. Donc ben, je vais m'habiller et on va aller traiter ça. C'est parti pour le combat. Allez. Salut les petits frelons. Donc vous voyez, ça travaille. Donc il surveille. Bon, on va leur faire un petit bonjour. Vous voyez, on voit bien les larves, ça sort bien. Hein. Vous voyez, il y a quand même du monde. Hein. Donc, il faut faire très attention. Une petite vibration et ça sort. Hein. Donc, je dis hein, que ça reste quand même très dangereux encore hein, pour les gens. Hein. Vous voyez, la voiture, elle est juste là. Le monsieur ouvre la porte et hop, il peut se faire piquer. Bon, on va y mettre le produit. Hein. Si vous voyez à l'intérieur les larves, comment ça bouge. Là, ça commence à attaquer quand même, hein. C'est petit, mais ça commence à attaquer. Hein. Ça attaque. Regardez, ça va attaquer la main. Bon. Bon les dédés. La saison s'annonce mais puissante, je pense. Pas mal de nuits, beaucoup d'activités. Je pense qu'on va avoir une grosse saison. Donc ben, pour des sociétés comme nous, c'est bien. Mais pour ben, les frelons asiatiques, ben, ça se voit que ça se multiplie encore partout. Bon, voilà, donc ben, ils sont nuisibles et il faut essayer de les détruire. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager, de laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les dédés.